Bonjour à tous et bienvenue sur Gym Direct. Je suis Mohamed, très heureux de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle session. Vous savez, c'est les sessions objectives ventre plat. Je le répète, en chaque début de cours, il faut associer ce cours à une bonne hygiène alimentaire, d'accord ? Saine, variée et équilibrée. Surtout, n'oubliez pas ça, c'est très très important. Nous, on va commencer tout de suite et ça va se passer au sol. Vous allez venir vous allonger avec nous ? Avec les pieds collés, les semelles ensemble, les genoux de part et d'autre. Mettez les mains derrière. Le but du jeu est de faire des sit-ups. Sit-up, ça veut dire on s'assoit tout simplement. Un grand coup avec les bras. Venez. Une, on s'assoit et on redéroule. Encore. Souffle. Et redéroulez. Ce cours ne va pas trop ressembler au précédent parce qu'on va associer un petit peu de conditionnement métabolique durant le cours, c'est-à-dire un peu de cardio. Expirez. Souffle encore. Allez, venez le chercher. Inspire, expire. Voilà. On sollicite une bonne partie des abdominaux. Très bien, vous restez en bas. Vous croisez les doigts, vous allez chercher loin derrière. Vous ouvrez largement les bras. Vous enroulez une fois les épaules. Recommencez. Croisez. Allez chercher loin derrière. Ouvrez largement les bras. Enroulez les épaules. Et on reprend cet exercice. Expire. Toujours les semelles ensemble. Souffle. Alors rappelez-vous, hein, lorsque je vous donnerai la consigne de vous lever, ben vous vous mettrez debout avec nous, tout simplement. Expire. Encore quelques-unes. La même chose. Allez, deux petites. Une dernière avant, une petite gainage. Très bien, tournez-vous, mettez-vous en position planche-gainage. Marquez la posture, tenez la planche. On résiste, on tient. On est bien plat, bien là à l'horizontale. 30 secondes. On associe renforcement et cardio. Prenez de l'air, prenez de l'air. Très bien, les genoux se posent et on se lève complètement. Venez, restez en face de votre tapis. Je veux juste voir côté, côté. Juste ça. Le corps se relâche un peu, mais le cœur travaille. 20 secondes. On va bientôt se rallonger pour refaire un deuxième set des mêmes exercices. Les sit-ups. 5 secondes. Ok, relâchez. Repositionnez-vous au sol. Allongez-vous. Les semelles ensemble. Et on est reparti. Lève. Et souffle. On contrôle le mouvement sur la descente. C'est bien. Toujours lui. Et on lève un peu plus haut les bras. Allez, il m'en reste quelques-unes. Ma petite dernière, on relâche, on se tourne et on marque la planche. Vous restez. Contractez tout le corps. Tout doit être dur. Inspire, inspire, expire, expire. On se concentre. Bien. Les dernières. Très bien, relâchez. On se lève. Allez, venez, 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 venez. Courez sur place. Prenez de l'air. Bien, 20 secondes de course. Comme ça, on continue à puiser un petit peu dans nos graisses, d'accord ? Pas seulement des abdos, un peu aussi de conditionnement métabolique.
Relâchez tout doux. Nickel. Allez, on passe au sol pour deux nouveaux exercices. Le premier, c'est chandelle. Chandelle, vous savez, c'est lorsque vous levez les jambes au ciel. Les mains à côté des fesses. Le point de départ, pointe de pied au sol. Je monte et je reviens. Suivez. La tête reste au sol. Tête par terre. Voilà. Monte, reviens. Monte, reviens. Allez, contrôlez le mouvement. Expire. En haut, reviens. Toujours lui, toujours lui, toujours lui. 8 belles. 8. 7. 7. On va utiliser la bascule pour s'asseoir, d'accord? Venez avec nous. Ok. Venez en face. Les mains juste sous les épaules. On tient une planche un peu plus simple que tout à l'heure. Et donc, on va rester un peu plus longtemps. Prenez de l'air, prenez de l'air. On tient, on tient, on tient. 15 secondes. Très bien. On pose un pied, on pousse et on court sur place. Inspire, expire. On est pas mal. Normalement, vous commencez déjà à transpirer un petit peu. Petit circuit abdo cardio. 10 secondes. Très bien, on relâche. On vient sur le dos. Allez, maintenant qu'on connaît bien les mouvements, on va les accentuer un petit peu. Main positionnée, pointe de pied au sol. Vous êtes prêts à la maison, vous êtes prêts sur le plateau. Plaqué, go! Allez, chandelle, telle une chandelle. Hop! Essayez de maintenir le haut du dos au sol. Plaquez également la tête sur le tapis. Allez, monte Mustapha, monte, monte, monte. Fais-moi 8 belles. 8, 7, 6. Ouais, utilise la bascule, assis-toi. En face. On maintient. Ne relâchez pas le bas du dos. Si vous relâchez le bas du dos, vous allez vous faire mal en bas du dos. Alors gardez les abdos engagés. Appuyez fermement sur les mains. Tenez-le, tenez-le encore. Non, ne lâche pas le bas du dos. Lève un peu les fesses, Mustapha. Oui. 10 secondes, même pas. Un pied qui se rapproche et on pousse. Courez. Chop. Voilà pour les deux exos, c'est bon. On va passer un troisième circuit. Pour l'instant, inspire, expire. Prenez de l'air. On est pas mal. On ralentit un peu, on relâche. Un exo mais divisé en deux, vous allez voir. Parce qu'on va se mettre sur le côté avec un coude, un pied sur l'autre. La planche costale. Je lève le bras, je descends légèrement ma hanche et je la remonte. On y va, ça nous fait en bas, en haut. Souffle. On va chercher un travail pour les obliques. Expire.
Monte. 8 autres et c'est bon pour ça. Ouais. Ne regardez pas par terre, regardez devant vous là-bas. Boum. Une seule. On prend son temps pour changer de côté. On positionne bien le corps sur le coude. Un pied sur l'autre. On marque d'abord la planche. On a stabilisé son corps, on a vérifié les appuis. Et on descend. Une, souffle. Et un peu plus. Hop. Ouais, elle a les 8 belles, hein. Monte. Nickel. Deux fois. Dernière, on relâche, on passe debout. Venez. Courez. Un petit demi-tour. Léger, léger, ne soyez pas lourd. Nouvelle tendance. Décollez un peu plus. Jacques Adi. Adi. Au sol, sur le côté. Allez, venez. Restez. Levez. Maintenez. On tient d'abord quelques secondes pour le gainage. Et on fait notre deuxième tour. En bas, en haut. Souffle. Huit autres. Allez, quatre belles. Transition rapide par contre, celle-ci. On lâche, on pose et on passe de l'autre côté tout de suite. Marquez la planche. On tient. On reste d'abord. Juste avant de bouger, on reste. Prêt pour les 16. Go. Une. Souffle. Force sur mes appuis. Rebel. Préparez-vous à vous lever. Dernière. Et on se lève. C'est bon pour ce circuit. Qu'est-ce qu'on va refaire? On va refaire le premier exercice, les sit-ups. Ils vont vous paraître peut-être un peu plus difficiles, hein, parce que vous êtes un peu fatigué. Mais faites-les le plus proprement possible. Continuez la course. Lâchez un peu les épaules. Ralentissez le pas de course. Venez vous positionner sur votre tapis. Allez, semelles ensemble. Allongez. Go! Prenez un peu plus conscience de l'exercice. Ouais. Toujours lui. Une petite dernière. Restez debout, tournez-vous, planche. On complique un tout petit peu, vous me levez la jambe droite. 15 secondes. Changez de jambe.
Posez le pied. Posez les genoux, levez-vous. Courez. Allez. Encore une deuxième fois celui-ci, hein. Toujours léger, léger, léger. Bien. Ressentez un peu plus vos abdos lorsque vous allez faire l'exercice au sol. Lâchez, venez vous asseoir. Allongez et on y va. Et... Le même. Huit belles. Allez, on lâche pas. Il m'en reste quatre autres ici. Dernière, on restera assis. Et 4, tournez. Une jambe en l'air. Et on change. On pose le pied. On pose les genoux. Allez, courez. Ouais. Encore, puisez, puisez, puisez. Inspire, expire. Relâchez tout doux. Venez vous asseoir avec nous. L'exercice qui suit. Les mains à côté des fesses. Les jambes vont vers l'avant. Et elles reviennent sans décoller la tête. On peut faire ça? Lentement, sur mon rythme, ça fait. Une, deux, et on revient. Ramenez. La tête au sol, la tête au sol. Il ne faut pas relâcher un seul muscle. Pousse, pousse et reviens. Vous pouvez le tenir. Arrivez en bas, serre les fesses et ramène. Toujours lui. Une. Hop. Allez, allez, allez. Quatre belles. Trois fois. Une dernière, on prend les genoux, on bascule vers l'avant, on se met sur les mains en face. On tient. Ne lâchez pas le dos, ne lâchez pas le dos. Ouais. Un pied qui avance et on pousse. Petit rebond. On va se le faire une dernière fois celui-ci. C'est les toutes dernières parties du cours. Inspire, expire. Décontracte et venez tout doux avec nous au sol. On refait les jambes tendues. Allez.
Positionne 90. Et on y va, tout doux. Une. Tête au sol. Hop, hop. Retenez la charge des jambes et m'emmenez. Continue, continue. Un. Allez, 8 belles. Boum. Et boum. Quatre dernières. Trois dernières. On résiste un peu, c'est la fin. Prenez les jambes, bascule. Planche. On résiste pour la fin. On tient. Il ne restera que 20 secondes de course. Ramenez un pied. Poussez. 20 secondes. Et le cours est terminé. Allez, lâchez, mais travaillez. Voilà, c'est fini. Décontractez. Lâchez complètement le corps. Pivotez un petit peu sur les côtés. Et vous avez quasiment terminé parce que maintenant on passe aux étirements. Allez, venez poser les genoux au sol. Et allez chercher loin devant et loin derrière. I hope that you get everything you want and that you chose. I hope that it's the realest thing that you ever know. Basculez devant. The pretty girls that's pretty at everything. $1 million cribs having $1 million dreams. And when you get it all, just remember one thing. Remember one thing. That one man could change the world. Et on repasse derrière. That one man could change the world. Faites reculer les mains, juste sous les épaules. Arrondissez le dos. Relâchez. Refaites encore. Dos rond, souffle. My stepbrother used to flip them bags outside the crib like it was trash day. Relâchez, poussez sur les mains. But when you get it fast money, déroulez-vous. Don't crash with all the drive. Enroule les épaules. Levez. Think about it. Close your eyes, dream about it, tell your team about it. Go make $1 million schemes about it. Success is on the way, I feel it in the distance. Used to look up at the stars and be like, ain't too much that's different. I be shining, they be shining. Get your one shot, don't you miss it. What you know by waking up every day like you want a mission. And I hope you learn to make it on your own. And if you love yourself, just know you'll never be alone. I hope that you get everything you want and that you chose. I hope and it's the realest thing that you ever know. Hope you get the pretty girls, it's pretty. $1 million cribs, have $1 million dreams. And when you get it all, just remember one thing. C'est les jambes parallèles. Lâchez le haut du dos. Décontractez. Relâchez le bas du dos, les épaules. My grandma told me if you write your name in stone, you'll never get the white out. I grinded out that black hole in before. Fléchissez les jambes, déroulez-vous. Next to Jim Carrey, we traded stories, then laugh. I said, croisez les doigts, allez chercher bien haut. Where I'm from, I swear they broke, they need way. Et ouvrez largement les bras. Encore une fois, montez et vous relâcherez vers l'avant d'un seul coup et décontractez. Voilà, c'est quasiment terminé pour nous. C'est
bien d'avoir suivi le cours, c'est bien de l'avoir regardé peut-être. Si vous n'avez pas encore le courage de le faire, c'est pas grave, je sais que dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez le faire. Pour cela, il suffit d'aller sur le site de D8D8.tv, vous retrouverez tous les cours de tous les coachs. Et vous le savez bien entendu, j'avais dit en début de cours qu'une alimentation saine et équilibrée, il faut l'avoir pour ce type de cours. Alors allez sur le site de mangerbouger.fr. JB, Mustapha, on t'écrit à gym@canalplus.fr. Faites comme eux, venez nous voir, on travaille bien. Hein. Bien joué.